Fantarion. Fantarion, monsieur, c'est une planète fantaisiste, c'est pour ça. Bonjour tout le monde, bienvenue mon Bertrand, ça va? Mesdames, messieurs, Bertrand Jouvray de Game One, Marcus de Game... Marcus Simplet, Bébert, Grincheux. Pierre, il y a un X à Grincheux. Alors, d'abord, d'une part, et ensuite... Apprends à écrire, et après tu prends un traité de Grincheux. Il n'est pas Grincheux en plus, il est adorable. Non, alors c'est Pierre qui est Grincheux. Pierre est Grincheux. Quand on ne veut pas faire un Counter-Strike, il fait boudin comme ça. Oui, c'est vrai. Bon, tout ça, mais on n'est pas là pour parler de Counter-Strike. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Bomberman. Sur Game Boy Advance, et oui, ça y est, on fait des level 1 sur Game Boy Advance. C'est génial. Et évidemment, on peut jouer à plusieurs. Donc, le plusieurs, c'est... Aujourd'hui, c'est Bertrand, c'est mon ami. Puisqu'on peut jouer tous les deux. Alors, regardez, avec une Game Boy Advance, c'est merveilleux. Et il y a ce câble Link qui permet de relier plusieurs Game Boy ensemble. Et Bomberman, ce qui est génial, c'est qu'il y a besoin d'une seule cartouche. Voilà. Ça, c'est super. Pas besoin de raquer 300 balles à chaque fois. Il y a un peu des temps de chargement, mais tant pis. Voilà, c'est l'ennui. Ça. On a essayé de brancher deux cartouches de Bomberman, puisqu'on l'a acheté tous les deux. Et ça ne fait pas. Et ça marche pas, curieusement. Donc, on va se taper 2-3 temps de loading, mais c'est pas grave. On va raconter des blagues pendant ce temps. Voilà, exactement. Et puis, bon, on va commencer tout de suite. Alors, il y a une petite intro rigolote. Alors, regardez, tout ça, c'est évidemment, nous, on l'a mis sur l'écran de la télé, mais tout ça, normalement, c'est sur le tout petit écran de Game Boy Advance. Voilà, Game Boy Advance. On pourrait zoomer, je fais voir. On pourrait faire plein écran, mais histoire de bien vous rappeler sans arrêt dans votre petite tête. Juste un chouïa. Voilà, t'es têtu, hein. Un chouïa, comme c'est ça. Beau, bon. Comme ça. Juste pour vous montrer que c'est sur Game Boy Advance, on va laisser le logo Game Boy Advance en bas tout le temps, histoire que on n'oublie pas. Parce que sinon, vous vous diriez, il a une manette de Nintendo 64 dans la main, mais c'est regarde. Tout moche. Il se dirait, mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Ah, c'est vrai. Et ce qui est personne ne comprend plus rien. C'est que moi, je peux jouer là-dessus. Je sais pas, je regarde la télé. Alors, je vais me mettre comme vrai, ça. Ouais. Salut. Hein. il faut que ça soit bien éclairé. Alors, je vais prendre... j'ai pas pris au début, je vais continuer mon petit truc. Tu fais bien. Oh, ben, c'est pas grave, allez, voilà. Alors que level 1, normalement, fait le début. Bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous faire voir qu'il y a un mode solo qui est pas, à mon avis, le plus intéressant dans ce jeu. Ça ressemble un peu à Pokémon. Mais franchement, je trouve sympa, moi. Alors voilà, on déplace Bomberman, on fait péter des bombes, on parle à des gens, etc. Comme des petites filles avec une robe rose. Alors par contre, c'est en anglais. Ça, c'est un peu dommage, je trouve, parce que bah voilà, la cartouche est censée être en français. Mais bon, c'est pas très compliqué. Ça fait un peu comme Zelda, un peu aussi comme les Pokémon. J'ai du mal à prononcer. Oui, le mais alors voilà. Si je peux apporter ma pierre à l'édifice. Après. Moi, je trouve que ça fait plus Zelda, parce que l'histoire des carabones, j'ai de ces barbes. Les carabones, c'est les carabones, c'est des créatures, voilà, qu'on capture et qu'on fait s'affronter, mais on est vraiment pas obligé de le faire. Ou des fois pour passer un niveau, machin, c'est pas super important, c'est pas grave. Bon voilà, donc il y a des bestioles à récupérer, on peut aller se promener dans la forêt, on fait péter des bombes pour débloquer des passages, dégager des rochers, etc. Donc c'est pas mal, mais Bomberman, ce qui est bien, c'est de se faire exploser ses potes à coups de bombe. Donc je vais sortir de là, je sais pas comment d'ailleurs, je sais même plus comment on ressort. Si, voilà une bonne tu question. Fais select, monsieur, fais select. Select, oui, mais je n'ai pas de touche select sur une manette de Nintendo. Oh, mais c'est pas vrai, mon dieu. Attends, start, ça marche pas. Regarde, c'est Z. Non, c'est le bouton jaune. Non, c'est rien du tout. Regarde, ça y est. Quoi? Exit. Oh, il est non. Fort, ce Bertrand. Data. Et c'est je vrai, suis testeur, monsieur. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est un métier. C'est pas le mien, visiblement. T'as sauvé la partie. Enlève ta grosse tête. Je fais ce que je peux, monsieur. No. The game. No. Are you sure? Yes. Voilà. Ah, yeah. Eh ben, bon, désolé, on a perdu un peu de temps. On va en perdre encore pas mal avec tous les loadings. C'est pas grave, on va pouvoir parler de Bomberman, qui est notre jeu préféré depuis bien longtemps, avec Mario Kart. Ah bon? On a commencé sur Super Nintendo. Ah bon, c'est sur ça. NES. NEC, la NEC même. C'est notre jeu préféré, tu le dis comme ça. Franchement. Tu connais mieux que Bomberman, toi? Il y a pas grand chose de mieux, hein. Non, à plusieurs, c'est cool, c'est vrai. Alors regardez, voilà, au lieu de quest, on va faire mode battle. Je vais hoster de gamme, c'est-à-dire je vais accueillir une partie. Merci. Je traduis couramment. Et regardez, il recherche la console de Beb. Et elle est là, Agathe. Elle est là. Ah, mais il te la trouve pas. Alors allume et éteins. Comme quoi, il est tire non, des petits trucs data, scène data, ça va y arriver. Ah, donc il est en train de chercher. Non, c'est bloqué au milieu. Mon dieu, il y a un bug en direct. Oh. Vas-y, éteins et rallume. En général, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, il a éteint sa console. Regardez, not linked, ça veut dire et non branché. Searching, donc il va la trouver. Voilà. Bon, en général, ça se passe bien. C'est tout simple. Hein. C'est pas comme configurer un PC pour jouer en réseau. Oui, oui, oui. Voilà, scène data, ça se passe bien. Donc en fait, la console de Bertrand est en train de récupérer les données de ma console à moi, et on va pouvoir s'affronter tous les deux. Ça va être la fête. Alors, on prévient juste que le petit outil pour lire les cartouches Game Boy Advance, c'est quelle caméra? C'est celle-là. Sur Nintendo 64, c'est un truc professionnel. Vous ne pouvez pas la voir. Donc n'envoyez pas de mail. Même nous, on a du mal à même la nous, voir. On a du mal. C'est Nintendo, ils en ont 3 en France pour toutes les rédactions. Et voilà, c'est quand même bien pratique parce que maintenant, on peut faire de level 1. Ouais, voilà. Sur Game Boy Advance. On les fera pas tous, je pense qu'on fera que les jeux principaux. On va faire que les jeux que je m'achète. Aïe, aïe, aïe. Ah, super. Donc, allez, on va enlever les ordinateurs. Comme ça, sera un duel au sommet entre toi et moi. Mais on peut jouer avec deux candidats contrôlés par l'ordinateur ou avec deux potes, carrément. Alors ça, c'est vraiment génial. Ah oui, tu t'en fous. Oui, c'est d'accord. L'ordinateur, il sera pas là, donc. Ah, mais truc, même s'il est pas là, je préfère le mettre en mode easy. C'est vrai.
On sait jamais. Donc voilà. Alors, je préviens juste que c'est ma revanche, parce que juste avant l'été, on a enregistré 3 level 1 avec Marcus, et je me suis fait battre à chaque fois. C'est la super honte. Il y a des gens qui m'arrêtaient dans la rue, qui me lançaient des tomates. C'est vrai, battu par Marcus. Ça, voilà. Ça arrive à des gens très bien. Voilà. Donc, j'ai décidé de me venger. Ah. Alors moi, je suis là, je suis le petit en noir, en bas à droite. Voilà. Et moi, je suis en haut à gauche. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Bomberman. Les têtes de mort, faut pas les prendre. Voilà. Le principe, c'est de déposer des bombes pour faire exploser les murs. Et dans les murs, il y a des petits bonus de cachet. Évidemment, le but du jeu, c'est d'aller exploser l'adversaire. Alors le problème, c'est de ne jamais se trouver dans la trajectoire de ces bombes. Regardez bien, une bombe explose toujours en forme de croix. Je vais en mettre une au milieu, ça sera un peu plus évident. Voilà, regardez bien ma bombe, tac, elle va exploser en forme de croix et il faut pas que je sois pris évidemment dans l'explosion. Et il faut que j'essaye de coincer Bertrand à coup de bombe et lui aussi il essaye de me coincer évidemment. Parce que moi j'ai pas eu beaucoup de bonus là jusqu'à présent. Salaud. Ah, pas mal. Ah, et voilà. C'est la croix. La croix, elle est trop petite. J'ai toujours dit. C'est toujours la manette, j'ai remarqué. Donc voilà, un point pour moi, pas mal. Donc on pourrait faire des matchs avec trois. Voilà, une petite coupe. Avec le premier qui gagne 3 coupes remporte la partie. En général, c'est comme ça qu'on fait. Là, histoire de changer de niveau, j'ai mis une seule victoire suffit normalement. Mais alors non, pourquoi pas faire ça? Non, j'ai pas fait ça. Bon, on changera après. Oui, non, c'est bien. Attends, tu vas pas gagner tout de suite là. Mince alors. Donc là, on a pris le niveau le plus simple et le plus basique. Moi, c'est mon préféré dans Bomberman. Oui, c'est là qu'on prouve notre vrai talent. Voilà. Voilà. Il y a pas de chichi tout ça parce qu'il y a des trucs avec des tapis roulants. Des on vous le montrera aussi, c'est bien. On va aller voir tout à l'heure. On fera par contre une seule partie avec ces trucs là. Alors ça paye pas de mine comme ça, mais franchement je crois que c'est un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. C'est indémodable, ça marche vraiment bien. Ils ont essayé de le faire en 3D tout ça, c'était vraiment merdique. Oh, tu vas te faire griller. Oh mais, ah bah alors. Nul, c'est pas possible. C'est impressionnant moi je trouve de le voir sur grand écran là, quand on s'est habitué à la petite Game Boy. Voilà, c'est pour ça que je suis mauvais. Moi je suis plus à l'aise sur le grand écran. J'ai joué là moi. Alors le problème de la Game Boy pour la millième fois, c'est cette saleté d'écran. Qui est pas très bien, qui est mais pas là, on voit bien, là. Là, tu vois bien, là? Ouais, je vais le prouver. Alors, regardez, Bertrand va jouer et perdre sur cet écran de sa Game Boy. Vous me le dites, les réalisateurs, hein, si j'ai un mauvais profil, hein, je regarde la télé à nouveau. Au moins, toi, tu n'auras pas ta grosse tête à l'écran pour cacher le jeu. Donc, voilà. Donc, regardez, il a la tête baissée, il joue en aveugle. Non, il joue pas en aveugle, il joue carrément sur sa Game Boy. Mais... n'en fais pas trop non plus. Donc les bonus qu'on peut récupérer, là par exemple je récupère des bombes, au début je n'en ai qu'une seule, regardez je peux en poser plusieurs, là j'en ai posé 2. Et les petits patins à roulettes, c'est des trucs pour courir un peu plus vite. Oh c'est la guerre là. Oula. Regardez tout ce que j'ai récupéré comme bombes, voilà. J'en ai quand même pas mal. Du vol. Et la petite flamme que Bertrand a récupérée, ça c'est un truc qui non permet... voilà. Qui permet d'agrandir l'impact des flammes. T'as perdu là, t'as les nerfs là. Je m'en vais. Au revoir. Au revoir. Bon voilà, bon, donc un match de gagné. C'est parti. Ah, on va voir la petite pêche. Alors il y a un petit truc sympa qu'il n'y avait pas, je crois, dans les autres Non, pas du tout. C'est la pêche au moule. La pêche au bonus. La pêche au bonus, vous allez voir. Le vainqueur de chaque partie, en fait, alors déjà est soulevé en triomphe. Voilà. C'est toi, mais bon. C'est moi, c'est merveilleux. Et en plus, il a le droit d'aller à la pêche pour pêcher des bonus. Donc, on lance une petite canne à pêche et on remonte divers bonus qu'on a pour la partie d'avant. Enfin, un seul, ouais. Mais il y a le choix. La super classe, ce qui fait plaisir à tout le monde, soit Greg de Joypad, que ce soit Alex Pilote, tout le monde, c'est que le vainqueur, pour la partie suivante, il a un costume en or. Quand on est Bomberman en or, ça veut dire qu'on est le plus fort. Voilà. Et c'est la super classe. Tout le monde est jaloux et veut tuer le Bomberman en or. Donc là, regardez bien. Je vais appuyer. Voilà. Sur au moment, jauge. Il y a une petite jauge, histoire de faire tomber mon truc le plus loin possible. Prends pas les guettas. Alors ça, faut pas prendre. Voilà, c'est le truc qu'il fallait pas prendre. Regarde, les guettas, regarde, ce sont ces petites chaussures en Lego. Il va se faire assommer. Le pauvre. Oh. Voilà. Et c'est des chaussures qui ralentissent. Donc il y a un mauvais bonus, mais par contre en dessous, c'est. Qu'on appelle malus d'ailleurs. Comme dans l'assurance. Et par contre en dessous, évidemment, il y a des bonus encore meilleurs. Donc c'est ça que je voulais aller voir. Mais je m'appelle pas Marcus. Ah voilà, c'est des tatanes chinoises là. Mais c'est ce que j'appelle les chaussures en Lego. Mais Alex Pilote me dit que ça s'appelait les guettas. Alors regardez tous les niveaux qu'il y a. Il y a vraiment le choix. Il y a plein de trucs très différents. Ah, j'aime bien celui avec les tuyaux. J'aurais dû enlever les 3 victoires. Non mais c'est pas grave. Eh oui, sinon on va se taper 3 fois le truc. Mais oui, mais je veux gagner un vrai match avant de partir d'ici. Ah d'accord. Bon alors regardez, celui-là se passe dans les tunnels. Fais-moi penser à changer les options quand j'aurai gagné. Et effectivement, j'ai un magnifique petit costume doré. Regardez, je sors du tunnel en haut à gauche. Ah, c'est classe le costume doré. Et le truc qui est rigolo dans ce niveau-là, c'est qu'on peut aller se cacher dans les tunnels. Regardez, j'y vais et y poser des bombes. Mais on voit pas qu'il y a une bombe là, j'en ai une, on va l'avoir explosée. Voilà, très fourbe. Là, par exemple, je pense que Bertrand a mis une bombe dans le truc. Voilà, et je ne me suis pas trompé. Donc, c'est vraiment le niveau des traîtres. C'est assez drôle. C'est très, très drôle à jouer.
Parce qu'on sait jamais si vraiment il y a une bombe dedans ou pas. Oh là 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 là. Et puis on a du mal aussi à se diriger quand on est perdu dans un piège. Ça permet de balancer des bombes plus loin. Alors c'est plein de bonus voilà qui permettent de jeter des bombes à la main, de faire des trucs comme ça. Ah oui, je me suis grillé par... Bien joué. Alors si on était plus nombreux, vous le verriez. C'est que là, quand j'ai gagné, en fait, il est allé se réfugier sur le coin, là-haut. Ouais, en haut à gauche. En fait, on meurt jamais dans Bomberman, on est sur le côté, on peut encore envoyer des bombes dans la partie. Sur les adversaires. Voilà. Alors, il y a deux modes. Il y a le mode Revenge. Il y a un mode où on ne fait pas ça. Une fois mort, on se retrouve pas sur le côté. Il y a un mode Revenge où on se retrouve sur le côté pour jeter des bombes sur ceux qui restent. Donc, ça met bien la pression. Et il y a le mode Super Revenge où, si carrément on arrive à tuer un adversaire, on prend sa place. C'est-à-dire, tu ressuscites, en quelque sorte. Oui, c'est exact. Alors voilà, ça, c'est génial. Quand on joue à 4, c'est un bonheur. On est que deux aujourd'hui et déjà on rigole bien à deux, mais évidemment on vous le recommande à quatre, c'est assez fabuleux. Je regarde là parce que là il y a ma tronche qui s'affiche. C'est vrai qu'on n'y voit pas trop clair. Alors là j'ai pris un super bonus qui permet d'aligner toutes les bombes que j'ai. Et là je peux-tu nous faire une démonstration? Non, j'ai qu'une bombe à poser. Là, c'est pas terrible. Donc qu'est-ce qu'il y a comme bonus encore? Il y a le bonus qui permet de jeter des bombes par-dessus les murs. C'est le gant rouge. Voilà, pour balancer les celui que tu avais fait qui permet de jeter les bombes. Et puis tout ce qui permet d'accroître la puissance des bombes. Accroître. Tu as vu, j'ai un vocabulaire. C'est bien. Alors par contre, évidemment, les petits crânes, il faut pas les prendre. Ce sont des maladies pour la plupart. C'est des trucs. Allez, je vais en prendre un juste pour le fun. Voilà, regardez. Voilà, là je crache des bombes sans le contrôler. Du coup, j'en suis mort. C'est pas obligé de faire exprès, hein, de faire gagner. Hein. Ah, excuse-moi, c'était pas fait exprès. Et ce qui est marrant avec les maladies, c'est qu'on clignote quand on a une maladie, et on peut la refiler à l'autre. Si vous touchez l'autre adversaire, c'est contagieux, lui chope la maladie. Donc on peut quand même les attraper exprès pour faire un peu paniquer les autres. C'est comme ça, toi. Ouais, moi je le fais des fois. Tu te rends malade exprès. Exprès pour contaminer d'autres. Tu vois, genre ça. Bon allez, je vais pas te laisser gagner pour autant, mais ça nous arrangerait parce qu'on gagnerait du temps. Mais je vais quand même me battre. Donc vous avez vu, on peut se planquer dans les tunnels. Il y en a avec des téléporteurs, il y en a avec de la glace. Donc j'adore le monde de glace, avec les igloos. Oui, très bien. Moi, par celui-là, après. Fais-moi penser à repasser par le menu des options. Je te ferai penser à repasser. T'as pensé à acheter du pain aussi? Heureusement que t'es là, hein. Comment je ferais sans toi? Oh, il s'approche dangereusement. Ah voilà, j'ai attrapé une maladie, je sais pas laquelle c'est. Donc là, j'avais tout à l'heure la maladie qui permet de poser des bombes sans arrêt. Là je sais pas, tiens je voulais te la refiler. Il y a une maladie qui fait que les bombes pètent beaucoup moins fort. Ah bon? Ça fait des toutes petites bombes. Ouais, il y a quoi encore? Il y a la maladie... Ah non, bah ça y est, hein, je suis... ah non, oh là là, je suis... Oh non, je suis pas bien là. Oh là là, j'ai échappé mais de justesse. Oh là là, je balance de cette ferme. Ah non, là j'ai fait une grosse bêtise, j'ai mis une bombe dans le tunnel. Et voilà. On va être méchant et voilà, on le paye. J'ai eu très peur. Hein. T'as eu peur? J'ai vu la mort et finalement. J'ai vu la mort. Feu baissé. La seule chanson de la vie. J'ai gagné Agade. Trois victoires donc. Oh, je vais perdre mon maillot jaune. Mon costume doré. Je vais avoir le costume doré. Quel dommage. Donc, ce qu'on va faire, je vais repasser par le menu des options parce que tu vas m'y faire penser. Et on va mettre une seule victoire. D'accord. Voilà. Et comme ça, on pourra. Oh, victory! Regardez, c'est moi! Ah, voilà. Bertrand en costume noir, très joli. Et bientôt en costume d'or. Ouais, c'est quand même la classe. C'est quand même la classe. Donc est-ce que tu vas pêcher mieux que moi? Parce que le problème c'est... Oui. Enfin dans la vraie vie je n'aime pas du tout la pêche. À chaque fois que j'y allais avec mes frères, que je salue au passage, je m'endormais dans l'herbe à côté tel un cadavre qui vous aurait trimballé pour vous jeter dans le lac. Alors moi j'ai... Do you wanna know how to fish? No, je sais faire. J'ai fait mon Marcus une fois à la pêche, je me suis pris, tu sais, j'ai lancé le truc, je me suis pris l'hameçon dans la lèvre. Ce qui fait que j'étais accroché. C'est pas vrai, non. Arrête, je te jure, arrête. J'ai eu donc je sais ce que ressentent des poissons. Allo Homer Simpson, t'es. Allo Homer Simpson, vraiment. Oh là là, j'ai une hameçon dans la bouche. T'as pris quoi? Une flamme? Une flamme. Ah voilà. Bravo. Donc là, Bertrand pètera plus fort. C'est les termes techniques de Bomberman. On dit péter plus fort quand on a pris. Je dis pas ça. Hein. Tu dis moi, je dis ça avec mes potes. Les flammes ont une plus grande envergure. Okay. On a du vocabulaire à Game One, hein, ça rigole pas. Bon, en le fait, menu. Tu sais quoi, faut être dans le menu. Oui. Ah, pour changer les options. Mais ça alors. Le pire, c'est qu'on risque de pas y penser pense, à force. Donc voilà. Donc franchement, Bomberman, pour moi, c'est un des rares. Attention, je sors. Voilà. C'est un des rares jeux qui vaille vraiment le coup sur Game Boy Advance, je trouve vraiment. Alors attention, round, enlève ta grosse tête, je voudrais descendre à un round. Hop là, voilà. J'ai claqué les doigts et ma tête a disparu. Hop, elle a réapparu. Encore. 1, 2, 3. Ah, il est pas mal ce Pierre Boulet. On est les David Copperfield, voilà. Enfin plutôt le Garcimore dans mon cas, de la télévision. Alors tu voulais Igloo, moi j'aime bien Igloo aussi.
Alors oui, là, c'est celui-ci, hein, je crois. Voilà. Alors, une petite news au passage, parce que c'est mon métier. Il y a déjà une suite de prévue, mais vu que c'est la mode, c'est pas une suite, c'est deux suites. Oh. Parce que l'on vient de recevoir les nouveaux Zelda sur Game Boy Color, une version rouge, une version bleue. Eh bien, il y aura bientôt Bomberman Max et Bomberman tout court, je sais pas quoi. Bomberman enfin, bref, grand, ouais. Deux suites à Bomberman qu'on a même. Pas mal. Donc là, il faut faire sauter les petits bonhommes de neige. Facile, ils vont fondre. Alors des fois, t'as remarqué que des fois, la glace se fissure. Ouais, et on peut pas revenir en arrière. Voilà, ça c'est extrêmement dangereux et faut vous faire vraiment là, j'ai perdu du temps, j'ai fait n'importe quoi. Je viens de chercher, moi. Je suis en train de regarder vers toi. Ah non, je le veux de bonus. Non, salaud. Il est à moi. Ah. Mine. Et t'as vu les petits pingouins sur le côté? Oui, c'est exprès pour Tuse, ils l'ont fait. Alors regardez, moi j'ai placé une bombe dans l'igloo. Je suis où, mon dieu, je suis perdu. Et le toit de l'igloo saute. Ça, c'est je trouve ça assez réussi. Oh là là, ça a été chaud là. En plus, on a fait craquer la glace sous nos pas. Oh, mais j'ai fait de coincer. Eh oui, t'as failli seulement, c'est le problème. Mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai été. Avec moi, il ne faut pas faillir, monsieur, sinon on est mort. Tiens. Oh non. Oh non. Mais moi, mon petit pont, ah, t'es pas mort, t'es pas mort. Oh là 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 là. Tiens, voilà. Oh non, qu'est-ce que t'as fait? Je suis redescendu trop vite et j'ai touché la flamme de mes orteils. Ah, faut être prudent. Hein. Donc vraiment, Bomberman, c'est génial. À 4, c'est super, vraiment. À 2 aussi, vous allez, on rigole bien, vraiment. Donc on vous le recommande. Pas besoin d'acheter 2 jeux, encore une fois. Un seul suffit. Même 2 jeux, ça marche pas, carrément. Voilà, ça ne marche pas. On peut jouer contre ordinateur aussi, évidemment. Je le trouve super balèze, l'ordinateur. Même en mode facile, j'ai vraiment eu du mal à le battre. Donc, vraiment, voilà. Oui, mais c'est bien pour s'entraîner, en fait. Oui, c'est ça. C'est l'avantage. Bon voilà, c'est la fin de ce level 1 déjà. Allez. Mais ouais, regarde, il y a Arnaud qui fait des signes avec ses grands bras. Ah ouais. Donc ça veut dire que c'est bientôt fini. On va peut-être se finir juste sur un truc. Qui a gagné là? Oui. C'est moi? Oh non, j'ai gagné. J'ai gagné. Bah oui, parce que j'ai touché la flamme de mes. Donc j'ai gagné, on a un match chacun et j'ai gagné le dernier. Donc faut que tu reviennes. Tu joues que pour la gagne, hein. Non, c'est incroyable. Je suis comme ça, moi. C'est terrible. Moi je venais ici pour me faire plaisir avant tout. Et voilà, et c'est foutu. Bon bah voilà, on va s'arrêter là, on verra même pas une partie de plus. Je tiens à signaler que j'ai gagné. J'ai chopé un chouette bonus. Non, oh, c'est le mauvais. Quand même. C'est quand même moi. Merci d'être venu m'aider, de rien. Bertrand. Au revoir. À bientôt pour je te rebondrai la gueule très bien. On se serre la main comme si je te remettais un chèque. Voilà, c'est parti. Allez, soyez sages, à bientôt pour un prochain level 1. Ciao.